Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 8 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Villers-Cotterêts. Première course de la Réunion 1, où 15 trotteurs âgés uniquement de 6 et 7 ans en découdront aux alentours de 13h55. Pour ce tournoi ouvert aux Européens, une fois encore, les tricolores auront fort à faire. C'est sur le parcours réduit des 2100 mètres de la grande piste parisienne que se disputera ce Quintet Plus. Comme toujours, le départ sera donné à l'aide de l'autostart et 9 concurrents s'élanceront en première ligne. Une fois encore, il n'est pas si simple que ça de faire son jeu. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Ingo. Ce compétiteur d'origine étrangère, âgé de 6 ans et fils d'Infinitif, a de très jolis titres à faire valoir. Avec l'aide d'Alexandre Abrivard, il peut se sortir victorieusement de sa position en première ligne à l'extérieur. En deuxième choix, le numéro 11, Vicky Laxmi. Fabrice Soulois l'aime beaucoup et depuis son arrivée dans ses box, c'est vrai qu'il ne compte que très peu de fausses notes. Restant sur une belle victoire déférée des postérieurs et avec Franck Nivard, il vise une nouvelle fois le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Majestic Man. Son entourage étranger est très chaud et fait le déplacement avec de légitimes ambitions. Avec le 2 derrière la voiture et l'aide de David Thomas, il ne va tout simplement pas taper loin. En quatrième position viendra le numéro 4, Fiesta du Belvert. Bien connu des turfistes, cette femelle fille de Roi du Coq va une nouvelle fois tracer une belle ligne droite au terme d'un parcours caché donné par Benjamin Rochard. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Fille du Chêne. Julien Lemaire la trouve en très belle forme le matin et une nouvelle fois, elle devrait terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 12, Ivory di Quattro. Robert Berg l'aime bien et pense que sur le sol français, il est largement capable de remporter une épreuve de ce genre. En avant-dernier choix, le numéro 10, Fédran Cheval. Emmanuel Varin la trouve en très belle forme à l'entraînement le matin et compte sur l'aide de Damien Beaune pour se sortir du numéro 10 en deuxième ligne le long de la corde. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Electric Alstorm. Il partira à une grosse cote, mais si Johan Le Bourgeois le planque durant le parcours, il n'est pas incapable de créer la surprise. En cas de non-partant, le numéro 15, Finn Pearl of Love, piloté par un certain Mathieu Abrivard, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, pour débuter la nouvelle semaine, Top Prono et Turf Sélection font jeu égal en indiquant tiers et quarte et quinte et plus dans le désordre, le dernier affichant tout de même un rapport de 143 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.